Et bonjour à tous les aliens, mon nom est Spike, ici. J'espère que tous les petits aliens de ma chaîne YouTube se portent très très bien, parce qu'on va parler, les gars, ça va super bien, comme d'habitude, super content qu'aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers de jeu. Du coup voilà, on va directement commencer avec toutes les informations super super intéressantes. Du coup voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si celles-ci vous plaisent et si vous avez la hype qu'elles arrivent dans le jeu, et nous on va y aller directement maintenant. Alors maintenant, on va directement commencer avec l'information la plus intéressante de la vidéo. Mais évidemment, ici, voilà, je vous affiche le nouveau skin Neo Versa qui est enfin arrivé. Voilà, c'était un skin que, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui attendaient. Il y avait déjà eu un skin Versa, mais je pense qu'il n'y avait jamais eu de skin Neo Versa. Franchement, très, très, très stylé. C'est un skin vraiment très, très rare. Du coup, n'hésitez vraiment pas à vous le procurer dans la boutique parce qu'il y est pour l'instant. Alors maintenant, une information vraiment très intéressante, c'est simplement que vous pouvez construire avec le matériel or en créatif. Voilà, enfin, je vous affiche ici le petit screenshot qui le prouve. Du coup, franchement, c'est vraiment assez stylé. Voilà, vous pouvez choisir le matériel or qui vient après le fer. Du coup, franchement, très 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 stylé. Moi, j'aimerais énormément de tester ça de mon côté. Et justement, en parlant d'or, eh bien voilà, je vous affiche ici des petits screenshots qui montrent qu'il y a encore des objets qui sont transformés en or. Du coup voilà, il y a plein d'objets de l'île du centre de la map qui sont en train de se transformer en or. Ça fait vraiment super super plaisir. En tout cas, dans la saison 2 du chapitre 2, il y aura plein d'objets comme ça en or que vous pourrez farm et que vous pourrez récupérer de l'or. Du coup franchement, c'est vraiment très très bien. Moi j'aimerais énormément qu'on y soit pour un petit peu voir ça. Alors maintenant, information très intéressante aussi, c'est tout simplement le nouveau leak d'aujourd'hui. Voilà, je vous l'affiche ici, c'est tout simplement un leak qui a été relayé par Fortnite. Voilà, tout simplement il y a 10 heures, je pense, un peu plus de 10 heures, je sais pas du tout. Mais voilà, il y a sûrement beaucoup beaucoup de petits ADS encore. Et voilà, il reste plus ou moins 20 heures avant le début de la saison 2 du chapitre 2. Du coup, franchement, on est vraiment très très hype. Alors maintenant, encore une information vraiment très intéressante. Si c'est vrai, c'est tout simplement que bientôt on va avoir un nouveau type de munition qui est l'essence. Voilà, franchement, on aura des armes qui seront tout simplement alimentées par l'essence. C'est vraiment assez bizarre. Moi, j'aimerais énormément de voir ça dans la saison 2 pour voir si c'est no fake. Mais en tout cas, ce serait vraiment quelque chose de super bien. Encore une bonne nouveauté. Et on termine avec un autre petit leak d'une espèce de dynamite maintenant, voilà, qui avait été relayé hier, celui-ci. Et voilà, il y a plein de gens qui ont commencé à faire des théories comme quoi, eh bien, il y a la dynamite qui va revenir, ou alors que ce sera la dynamite qui servira pour ouvrir la porte secrète qui est dans les montagnes que je vous avais présenté hier en leak. Voilà, franchement, assez stylé. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos théories dans les commentaires. Moi, j'aimerais énormément de voir ça pour un petit peu savoir ce qui va se passer avec ce petit leak. Donc voilà les aliens, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces petits leaks du chapitre 2 vous ont mis la hype pour la suite, parce que moi j'aimerais énormément de voir un petit peu tous ces petits leaks arriver dans le jeu en gameplay. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas pour vous aussi, et n'hésitez pas aussi, le plus important bien évidemment, à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que vous savez très bien que les informations de leaks et de news se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup, si vous voulez rester 100% informé de la situation sur Fortnite, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est vous abonner et jamais vous ne louperez aucune information. Du coup les gars, c'est Spike ici, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. À la prochaine les aliens. And...